Le TFI Erlangen présente CAPS. Aujourd'hui, les Antilles françaises. Ah, la belle mer des Caraïbes. Un vrai paradis. C'est clair. Mais connaissez-vous les Antilles françaises qui se trouvent là-bas? Non, pas vraiment. Alors, en voici les quatre îles. La Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Les premiers habitants de ces îles étaient des Amérindiens. Mais la France a colonisé les Antilles en 1635. Pourquoi ça? Eh bien, à cette époque, les grands pays européens ont organisé un système esclavagiste pour développer le commerce du café, du tabac ou du sucre, des produits typiques des Antilles. Ils ont utilisé des esclaves? Malheureusement, oui. La France a envoyé et exploité des millions d'Africains dans les Antilles jusqu'en 1848, date de la fin de l'esclavage en France. Ces mouvements de population ont cependant créé une nouvelle culture locale, le créole. Qu'est-ce que c'est? Le créole est le mélange des cultures européennes et africaines. C'est un mélange gastronomique, artistique, mais aussi linguistique. Aujourd'hui, les langues créoles antillaises sont parlées par plus d'un million de personnes. Voici quelques phrases en créole de Martinique. S'en fait. Pour dire « comment vas-tu ?»« S'il vous plaît. » Pour dire « s'il vous plaît » ou encore « ça, ça y est. » Pour « qu'est-ce que c'est ?» Trop cool. Depuis 1946, les Antilles françaises ne sont plus des colonies. Ce sont des départements ou des régions d'outre-mer. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, les Antillais votent pour élire le président de la République, doivent respecter les mêmes lois qu'en métropole et ont comme monnaie officielle l'euro. Ah ouais? Cependant, les Antilles ont de nombreux problèmes économiques. La vie coûte cher là-bas et le chômage est élevé. Presque 25%? Si la culture de la canne à sucre et de la banane a longtemps été la base de leur économie, aujourd'hui ces îles développent principalement le tourisme. Il faut dire qu'avec une température moyenne de 27 degrés et une nature incroyable, les Antilles ont de nombreux arguments pour séduire. On y va quand tu veux. Voilà, d'assist, les Antilles françaises.